Salut YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4. Bon, en tout cas, j'ai compris le problème, hein. En fait, ce qui est dommage chez mes parents, c'est que en fait, ça serait trop bien qu'en fait, il y ait des câbles. Vous savez, vous avez un truc qui s'enfonce, enfin, qui est sur votre mur, et vous pouvez câbler directement votre. Enfin, vous pouvez mettre votre connexion Ethernet qui est reliée directement à la box, qui est. Parce que moi, ma chambre, elle est assez loin de la. Elle est assez loin quand même de là où je me trouve. Du coup, bon. Putain, c'est casse-couille. C'est casse-couille. Désolé, hein, pour ces problèmes, mais là. En vrai, je peux le câbler en Ethernet, mais en fait, ce qui est chiant, c'est que je dois. C'est un long fil. J'ai pris du 20 mètres. Hein. 20 mètres de câble Ethernet, tac. On le connecte à la Livebox, mais vous avez un fil, quoi, qui pend, et c'est chiant, et. Du coup, bon. Attendez, il y a mon père qui va arriver. Ah, je sais pas. Attendez. Non, j'espère qu'il va pas se remettre devant. Pas devant la box. S'il y a une chute, c'est à cause de ça, de toute façon. Bon, écoutez. Pour le moment, il n'y a pas de baisse. Pour le moment, il n'y a pas de baisse. Oh, il y a une baisse. Il y a eu une baisse. Ah, ça veut dire qu'il était devant. Ça veut dire qu'il était devant. Ah putain, je connais maintenant par cœur comment ça fonctionne. Hein. Ah Wi-Fi et tout. Ça aurait été trop bien que j'ai eu une prise Ethernet dans ma chambre, mais bon, la maison de mes parents n'était pas prêt pour ça. Enfin, ils n'avaient pas pensé que je deviendrais quelqu'un qui utilise beaucoup Internet. Mais tant pis, c'est pas grave. J'ai de la chance parce que je me suis fait, enfin j'ai forcé mes parents à se faire fibrer. Et heureusement. Parce que putain, il y a un renouveau le confinement. Et là, je peux faire des lives, je peux envoyer mes vidéos tranquille. Mon frère peut jouer et tout. C'est super bien. Mais oui, c'est ça qu'il faut. C'est des prises d'internet dans les murs, c'est mieux. Mais il faut le connecter directement à la box. Mais il faut faire passer par des conduits sur les murs, etc. Et ça, bah, ils ont un peu trop, pas trop envie de le faire, mes parents. Déjà qu'ils ont la fibre, c'est très bien, hein. Parce que je leur ai dit, la fibre c'est mieux que la DSL. On paye un peu plus, mais c'est beaucoup mieux. Le débit est beaucoup plus rapide. Ils sont en mode, ok, on va te suivre. On va écouter l'intervention du président, évidemment, pour la fête nationale de l'Algérie. Mes chers concitoyens, en ce jour solennel, je veux vous exprimer toute ma fierté et mon affection. En célébrant l'histoire et le génie de notre beau pays, je souhaite aujourd'hui me souvenir de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous divise, afin de tourner un regard confiant vers l'avenir. Alors, il y a un vent de ouf dehors, c'est incroyable. Je sais pas s'il y en a ceux qui sont en sud-ouest sur Twitch. Bon, pour ceux qui savent pas, je suis plutôt vers Bordeaux. Je suis en Gironde, Bordeaux. On est le 7 novembre, et il y a un vent de ouf dehors. C'est. Waouh! Je le vois et c'est ouf. Bien! Alors, oui, il avait dit que c'était une excellente nouvelle et on va développer le pays, blablabla. Et il a raison de le souligner parce que c'est notre but, c'est de développer le pays et on le développe grâce à des nouvelles infrastructures, à la développement de la fibre, développement évidemment de la 5G. C'est plutôt une excellente nouvelle. Et on le développe, et il faut faire un développement. Ce sont des projets de développement. Et le développement, c'est crucial pour un pays. Je vous rappelle qu'un investissement, c'est comme les entreprises. Il faut investir, 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 investir. Parce que l'investissement, c'est ce qui crée le futur. Et l'investissement, bah, c'est aussi de la consommation. Et la consommation, ça fait aussi plaisir aux entreprises. Et les entreprises, s'ils ont des carnets de commandes remplis, bah, ça va se répercuter du coup sur les autres entreprises. Parce que l'entreprise commande à des autres entreprises qui a des autres entreprises et qui font augmenter du coup les emplois et du coup les emplois créent de la richesse et les emplois comme ça crée de la richesse ça crée aussi des revenus. Les revenus font que ben, plus il y a de commandes plus ça augmente. Les revenus augmentent et donc du coup ben, plus les revenus augmentent plus la consommation augmente et du coup ben, tout le monde est content. Voilà. Il y avait un écran noir, ça a bugué. Ah. Pourtant là ça bug pas, hein. Non, là je vois mon retour, là il n'y a pas de bug.
Heureusement que j'ai un deuxième écran parce que faire des streams en ayant un écran, c'est impossible. Limite, c'est pas possible. Heureusement que j'ai deux écrans. Bien, par contre, va falloir rattraper, va falloir reprendre un peu l'assaut. Faudra qu'on rattrape l'Egypte. Pourquoi pas aille vers les 300 milliards, ça sera déjà une bonne nouvelle, mais on peut le faire, on peut le faire. Je ne pense pas qu'on le fera l'année prochaine, parce que cette année on a énormément augmenté notre PIB, mais on va continuer à développer notre pays, à créer des infrastructures, et on voit très bien des infrastructures routières principalement, et on va connecter ensuite les villes, c'est important. Par contre, il y a beaucoup trop de bases militaires. Je pense qu'on va démanteler certaines bases militaires parce qu'on en a un peu trop. Ça sert à... Je veux pas démanteler les tanks, le etc. d'achat qu'on a, mais on va démanteler des bases militaires. Parce qu'il y en a trop, en fait. On en a beaucoup trop. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir autant de bases militaires. Non, je vais t'affecter là. C'est bien qu'ils remettent le truc pour affecter, ça va plus vite. J'aurais dû faire ça pour ça, en fait. Attends, affecter, hop. Affecter, comme ça, ça va plus vite, ça va partir en avion. Et ça, cette base, on démantèle. 3 millions! Quand même cher. On démantèle cette base. On va démanteler quelques bases et on va les regrouper dans quelques bases, comme ça, il y aura plus de selon la théorie de la force. Parce que là, je trouve qu'il y a beaucoup trop de bases pour... pas grand chose, genre cette base, on n'a pas assez de bases, genre il y a plein de bases là, des bases militaires de partout, alors qu'ici par exemple on aurait bien voulu, j'aurais bien voulu avoir plein de bases ici, sur ce côté, mais il y a trop de bases militaires un peu trop partout, c'est pas incroyable, pas miaou, qu'est-ce, pourquoi? Pourquoi elle veut manifester le Pamiaou? Attends, je vais prendre un petit... Je vais lui parler, je vais lui dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'arrive. Notre cellule gouvernement... Ok oui, 900 Mbps, 400 ascendant, c'est le futur. Ah non mais c'est ça, hein. Moi j'ai pris... En plus, mes parents ils ont pris le truc à fond. Du coup ils ont une très grosse fibre. Volonté. Du coup, c'est cool la fille. Oui, je sais, on me le dit souvent. Est-ce que ça va? C'est cela, oui. Toi, tu m'aimes toujours pas. Hein. Oui, oui. Alors, on va pas lui proposer un dessous de table, j'ai pas trop envie qu'elle me tue. La 5G arrive chez vous en 2022. Ouais, mais ça sera Bordeaux, ils ont déjà testé la 5G. La 5G produit 3500 Mbps en Chine. Mais quand vous avez vu que la 5G en Chine, ça a permis d'automatiser des ports comme le port de Shanghai et tout, c'est incroyable. Et ça, c'est grâce à la 5G hein, qu'ils ont tout automatisé. Hein. Hop, eh bien, tiens, en parlant de 5G, j'augmente à 5G. Plus c'est populaire, écoutez, c'est cool. Par contre, dans une inflation qui va atteindre les 10 points, enfin les 10%, c'est un peu trop. Mon IDH qui augmente quand même, pas mal. Croissance, on est toujours en haut. Émission de CO2. Ouais, on est l'un des pays qui émet le plus de CO2. Normal. Mais on va tout faire pour baisser tout ça, c'est pas un problème. Va falloir quoi? Est-ce qu'on reboise? C'est une question, mais est-ce qu'on reboise? Ah, super! On reboise! C'est bien! Moi, j'ai une table qui était au Sénat français. Hein? Romain achète fond vert et aussi un costume de président. Oui, une cravate, enfin, un costume quoi, un costume.
Bah ouais, mais ça sera pour plus tard. Ça sera pour plus tard. Pour le moment, il y a plein de choses que je dois faire et mes investissements pour le moment sur la chaîne, c'est grâce à vous, hein, grâce aux subs sur Twitch, grâce aussi à personnes qui regardent les pubs sur YouTube, etc. Merci beaucoup. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui est incroyable. Bah, grâce à cet argent, bah, je l'investis, que ce soit en achat de jeux et tout. Grâce à vous. J'ai des jeux... Je ne paie pas de ma poche, ce sont vous. Vous qui payez mes jeux. Enfin, les jeux qui ont pu... Après, je le mets sur YouTube. Alors, nous rêvons tous à l'apparition sous notre bannière de future licorne. Ces entreprises de l'Internet qui conquerront le monde avec de nouveaux services innovants. Mais pour cela, il faut développer un terreau plus fertile, de la 5G, monsieur le président. Croyez-moi. J'en rencontre tous les jours de ces start-upers survitaminés. Ils n'hésiteront pas à s'expatrier si nous sommes dans l'incapacité de leur offrir un cadre moderne digne de ce monde. Mais ne t'en fais pas, dirigeants syndicaux, des patrons. C'est fait, je suis en train d'investir. Et c'est dans mon but, c'est dans le but de tout le monde, la 5G, je le sais, je le sais. Vas-y, on va relier tout ça. 14 mois, bon, tant pis, c'est un peu long, c'est pas grave. On va relier à cette ville, là. En fait, cette ville, elle va être le carrefour, hein, parce qu'elle est carrefour de l'Oléoduc, elle est carrefour de tout ça. C'est un carrefour. Ah, cette ville, elle est un peu loin. On pourrait la connecter, hein. Hop là. Comme ça, cette ville est connectée. Hop. Là, 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 là. On va la direct faire comme ça, là. Bam. On relie. Va falloir créer des ports, va falloir créer des aéroports. Je rappelle que là, je suis juste en train de connecter tout l'est de l'Algérie, tout le nord-est. Il va falloir faire le nord-ouest et le sud. Il y a quand même pas mal de villes au sud. Hein. Déjà, faisons ça avec les principaux pays côtiers. L'énergie, faut que je regarde un peu aussi. Sur plus. Ok. Solaire, on pourrait investir, mais c'est un peu trop cher, je trouve. Pour sa capacité en plus. Ce qui n'est pas énorme. $205 milliards. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, au niveau du Covid, qu'est-ce que ça donne? Covid, en vrai, on n'a pas de gros problèmes en soi. Hein. On a 1800 décès, les cas cumulés, c'est pas énorme. Ah, le Maroc a eu plus de cas cumulés que moi. Et pourtant, moi, je n'ai pas fait de confinement. Cas actifs, 1400. Ah oui, par contre, le Maroc, 5000 cas. Aïe, aïe, aïe. Ah mais il n'y a pas déjà le... Je crois qu'il y a déjà le médicament qui est sorti. Yes, il y a le médoc. Le médoc. Besoin pour 12 semaines, 12. Faire un contrat. Tu as fermé tes frontières? Non, pas du tout. Je n'ai rien fermé. Mais alors, rien du tout. On va passer commande en France parce que c'est à côté, c'est pas loin. Et ça sera tout en termes de commandes, voilà, tac. Non, non, je n'ai rien fermé, hein. Pas de confinement, pas de fermeture, pas de traçage, que dalle. De toute façon, ça sert à rien de tracer, j'ai que 15% de la population qui est couverte par la 5G. Ça sert à rien de tracer si on n'a pas de 5G partout. Enfin, la 4G ou je sais pas quoi, mais si on ne l'a pas, ça sert à rien.
Alors, en plus, on est le 24 décembre. Je voudrais voir un petit peu ma dette. Est-ce que je vais faire... Ah, je vais faire un peu d'excédent. C'est pas mal. L'économie... contrat accepté, très bien. Ouais, du coup, je vais vendre un peu mon charbon, ça serait pas mal. Oulala, mon déficit... Ah ça, c'est parce que j'ai passé les commandes, sûrement. Hein ? Balance commerciale en volume. Hein ? Ah, c'est en volume, ok. Là, ça a plutôt baissé. Médicaments, va falloir que je subventionne. On va voir si ça va produire des médocs ou pas. Industrie, finance publique. Bah ouais, mais écoutez. Faut bien faire quelque chose à un moment donné. Hein. Ta 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 ta. On va augmenter un peu la fibre. On va essayer d'être à 10% du territoire. Bam. La fibre. Je voudrais voir au niveau du... au niveau de la fibre, je voudrais savoir au niveau un petit peu quelle est la puissance de notre... de la fibre chez nous. Quelle est la puissance en termes d'internet. Débit moyen, exact. On est quand même le 19e pays avec un débit moyen assez correct. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, normal, on a développé la fibre, on développe la 5G, du coup le débit est monstre. Elle est monstrueuse. La Chine, c'est pas ça. Le Qatar est premier, bah, c'est tout petit aussi le Qatar. C'est très facile pour eux. Ça va, nous on se développe bien. Hein. L'Algérie, 13% de 5G, c'est plutôt pas mal. En fibre, la fibre qui se développe aussi en Algérie, très bien, qui va passer à 10%. Ah, je reprends le retard des précédents présidents de l'Algérie en faisant des constructions partout. Trésorerie en excès de 1 milliard. 1 milliard d'excédents budgétaires. De trésorerie qui permettra donc. À nous. Oula, moins 2% par contre, ça fait un peu mal au cul. Je vais pas vous mentir, ça fait mal. Mais le moins 2%, il est pas mal là. Là, on est bien. Voilà, dette publique qui baisse. Budget 69 milliards. Alors qu'en 2020, on était à 71 milliards. Là, on est bien. Là, c'est bien. Ça fait plaisir. Ah, on est pas mal. Par contre, le déficit toujours là. Mais c'est pas grave. Parce que on a quand même. Par contre, va falloir remonter un peu notre croissance. Qui est un peu trop bas. Parce que moins 2%, c'est un peu pourri, hein, on va pas se mentir. Puissance économique. L'Egypte, hein, qui reprend un peu plus vite. Qui va un peu plus vite en termes de croissance. C'est pas une très bonne chose. Mais pour le moment, c'est bien. Écoutez, là, pour le moment, on est très bien. Première année de ma gouvernance. On développe tout. On crée des infrastructures. On est bien. On est bon. On va très bien pour le moment. On va très, très bien. Tassement du pouvoir d'achat. Oui, mais c'est normal. C'est parce que la croissance est négative. Mais elle va remonter, ne vous en faites pas. Bon, c'est bien parce qu'au moins, ça va pouvoir me faire baisser un petit peu mon inflation. Qui était un peu trop haut. Hein, 7%, c'est un peu trop haut. Si on peut avoir quand même une croissance de 5 à 7%, c'est pas mal. Mais qu'elle soit pas négative non plus. On va augmenter un peu cette taxe aussi. Ça peut nous faire un peu de pognon. Écoutez, ils sont d'accord.
La taxe sur les activités polluantes. Toujours une taxe un peu cheatée. Et en vrai, pour le moment, le Parlement a toujours le pouvoir. Je n'ai pas encore mis en place mon autoritarisme complet. Où j'enlève le pouvoir du Parlement. Qui est le mien. Traitement antiviral. Ah, ça c'est pour dire... Oui, l'excédent est là, tout à fait, Manu. Ah non. D'après nos informations, il semble que certains individus incontrôlables émaillent à partir avec nos forces de l'ordre dans les rues de la ville. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Cela ferait suite à la fermeture d'une chaîne de télévision illégale et à l'arrestation de ses responsables. Bah, c'est normal. Cette chaîne diffusait sur notre territoire des programmes subversifs et pro-occidentaux. Les autorités recommandent de rester chez soi et de suivre nos bulletins d'information. Oui, écoutez la TV publique qui n'est pas du tout influencée par l'État. Non, surtout pas. Bien, écoutez YouTube, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, YouTube. Salut YouTube.